Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 1 sur mon EP sur City Skyline. Alors, on va continuer là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire que j'avais construit toutes les bases du jeu et maintenant on va passer à ce qui est développement un peu plus avancé. Je vais laisser tourner comme j'avais dit un petit moment, je vois que j'ai besoin de zones de commerce, ce qu'on va leur fournir immédiatement. Voilà. Ok, alors on va vérifier l'eau. Oui, c'est ce que je pensais. Il manque un petit peu. Mais c'est pas grand-chose. Voilà. Alors par contre, ensuite, je suis à 10 000. J'ai toujours pas construit le collège. Ça, on en a. On a les soins. J'ai pas fait encore le cimetière, mais je l'ai pas encore. Donc c'est réglé. Qu'est-ce que ceci? Sport et gymnase. D'accord. Ok, alors, tac. Alors ça c'est du minerai, ça c'est du pétrole. Je me dis que je pourrais faire un peu des deux, la limite. C'est-à-dire prendre celui-ci là. Je crois que du pétrole j'en ai aussi un petit peu ici. Mais j'ai toujours pas les voies rapides, donc on va éviter de s'étendre trop de cette façon dès le début. Hop. Pardon. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais sans doute commencer bien l'agriculture. Mais, en fait, je me demande quelle zone je vais prendre. Est-ce que j'achète celle-ci? Est-ce que j'achète celle-là? Ah, agglomération florissante. Parfait, je crois que ça y est, justement. Donc je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. On est à 50 000, je construis l'école et tout le reste sera du bénéfice. Ah, je vois que je manque d'eau. On va remonter le budget de l'eau. Ok, et si je manque d'eau, je manque probablement aussi d'électricité parce que c'est bien développé, non, ça va. Et au niveau, on est bon à nouveau. Alors, ok, parfait. C'est parfait. Je vais commencer à tracer. Ce dont je vais avoir besoin. Faire cette grosse zone industrielle ici, je pense. Bien, on va acheter celui-ci et celui-là pour le moment. Thank you.
Alors, la zone commerciale est maintenant développée. On est à 2300 par mois, par semaine, pardon, parce que ici c'est par semaine, hebdomadaire, tout à fait, pas mensuel. Ça se passe bien, je vois qu'un trafic routier est correct, il est assez intense, mais ça circule bien. Faudrait que je m'occupe du parc tout de suite pour pouvoir faire des passerelles. Et je me dis d'ailleurs que de toute façon, c'est probablement ce que je vais faire. Mais ça coûte assez cher. Ok. Alors, on va faire la même chose ici, c'est-à-dire que je vais dézoner ça. Voilà. Alors je vois qu'il manque d'eau là. On va corriger ça. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Niveau eau, on est un peu juste, mais ça va. Et on est déjà à 100%, non? Mais la marge, on va s'en servir. Très bien. C'est beaucoup mieux. Ok. Alors, ça c'est bon. Je vais pouvoir commencer un petit peu à réagencer le coin. Donc, le mode parc. Le mode parc. Alors déjà, on va commencer par linker ça à ça. Voilà, la même chose ici. Peut-être pas dû le faire comme ça. Enfin, c'est pas grave, hein, c'est fait. Pas l'important, c'est pas très grave non plus. Ok. Alors, pourquoi faire ceci? Eh bien, parce qu'en fait, voilà, on va zoner une zone de parc qui est un peu trop grosse comme ça. Ok, ça me paraît pas mal comme ça. Ensuite, on va réduire le niveau et évidemment, ça en fera partie. Ok. Ainsi que cette zone-là, si j'arrive à le faire. Oui, je vais arriver à le faire. Un peu complexe, mais voilà, ça devrait pouvoir se faire. Ok, parfait. La même chose ici, évidemment. Ok. Oui, je me moque des nouveaux bâtiments dans l'immédiat, s'il te plaît. Ensuite, alors, on va eh bien, commencer justement le parc en tant que tel. Pour ça, je vais avoir besoin d'une entrée de parc. Il continue à m'angoisser. Tu peux arrêter de me prendre la tête? Merci. Je vais virer les trucs, parce que c'est vraiment hyper chiant. Ok. Tac. On va la mettre là. On va la mettre ici, entrée.
l'entrée principale. Voilà. Et petite porte principale, porte latérale. Voilà ce qu'on a. Ok. Donc ici, c'est ce que je disais, on va pouvoir débarquer. Enfin, débarquer. Faire en sorte que les passants puissent se promener. C'est un peu le but d'un parc. Mais tout en me donnant des sous. Je vous expliquerai après quel est le fond de ma pensée. Enfin, ce que j'entends précisément par là. Très bien. Alors ici, évidemment, c'est pareil. Ah, c'est une question d'argent. Bon, à ce moment-là, on va attendre, hein, ça sert à rien. Voilà. Je voulais pas trop faire ça, mais enfin, pourquoi pas finalement. Hein. Hop, ici, pareil. On va venir jusque-là, par exemple. Je suis pas obligé de tout faire en aérien, d'ailleurs, quand j'y pense. Il n'y a que ici que je vais faire quelque chose d'aérien de long. Et ça, c'est dû au fait de ce dont je vais avoir besoin pour pouvoir, eh bien, voilà, faire passer ça. C'est précisément ce que je voulais dire. Ok, on va faire au plus court. 3 unités, c'est bien 3 unités. Ok. Et là, on va faire un joli arrondi qui va nous emmener à peu près, voilà, à ce niveau-là. Hop. Ici, je vais pouvoir mettre une autre entrée de parc secondaire. On va faire la même chose en face. C'est-à-dire une droite, un pont. Un peu trop long le pont d'ailleurs. En ligne droite, les ponts c'est toujours un peu mieux. Hop, très bien. Sauf que on va démarrer à 9. Très bien. Et je voudrais être au sol. Voilà, parfait. Un peu moins conséquent, on va dire, cette fois. Ensuite, on va le faire monter. Et puis on descend.
Voilà. Bon, pour le moment, c'est pas la grande classe. Par contre, ça devrait rapporter des sous, en théorie. On va attendre d'avoir juste de quoi. Vous voyez, il commence à s'en servir beaucoup plus que de passer à pied sur le. Alors, je vais faire un autre accès ici hein, pour qu'en fait tout soit accessible. Voilà, petite entrée latérale à nouveau. Hop, on rejoint le tout. Pas comme ça prend beaucoup trop de place. Comme ça, c'est mieux. Ensuite, il nous faut évidemment une autre entrée de parc ici, comme j'avais dit. Hop. Et pour ça, il va falloir que je continue. Alors, je ne vais pas mettre de barrière. Je vais prendre pour acquis que les gens sont honnêtes. De toute façon, je vais leur couper la chic dans peu de temps, dans le sens. Enfin, couper la chic. Où je vais passer tout de suite ce rond-point. Une autoroute à deux voies, comme ça, pourront plus passer par là. Et ensuite, à moi les jackpots. Échiquier du parc, jeté du parc, d'accord. Alors, comme j'ai dit, je veux remplacer ceci par quelque chose de comme ça. Voilà, comme ça, pourront plus passer à pied, vu qu'il n'y a pas de trottoir sur cela. Que je refasse ce bout de pont, mais sinon on est bien. Ok. Alors, je vais utiliser pour une fois, voilà, un des petits objets des modes. Voilà, comme ça je pourrais alimenter cette partie en autonomie ou presque. Alors, normalement, ce parc doit me rapporter masse déjà. 4000, voilà, très bien. C'est un petit peu trop. Et nous allons baisser un peu le prix, voilà. Alors, on va continuer nos travaux de parc, c'est-à-dire qu'on va en mettre un autre à côté de l'école, par exemple, voilà. Hop. D'abord, on va la laisser ici. Par contre, ici, on va mettre l'autre là, voilà, par exemple. Et donc. Hop.
Voilà. Très bien. Hop. Normalement, il devrait s'en servir aussi, en théorie. Bon, les montées sont un peu rêches. J'en conviens. Hop. J'aurais pu faire ça au sol aussi, j'en conviens, mais bon. Pour le moment, on va faire un pont. Comme ça, voilà, les gens sont vraiment tranquilles. Que c'est énormément utilisé ici, mais c'est complètement normal également. Enfin, en tout cas, les revenus sont au rendez-vous, c'est ce que je voulais. Bien, alors j'ai fait cette partie-là, je suis à nouveau à 28 minutes, je vais sans doute avoir fait quelques accélérés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense qu'on va s'arrêter pour cet épisode, qui sera l'épisode parc et revenu, et je vais faire au prochain épisode, voilà, kiosque, parfait. Et au prochain, je vais faire la première zone industrielle d'agriculture, et puis ensuite on verra le reste. Ok, et bah écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao ciao!